Au palmarès des dépassements d'honoraires arrive en tête. Les chirurgiens Jacques Caton est l'un d'eux, 30 ans qu'il pratique. Sa spécialité est l'orthopédie. Chez lui, le prix de la consultation s'élève à 80 euros, bien loin du tarif de la sécurité sociale. Pour un médecin spécialiste, le tarif de la consultation devrait être compris entre 80 et 100 euros. Aujourd'hui, il est à 23 euros. Si demain, je suis obligé d'avoir le tarif de la sécurité sociale, j'arrête mon activité, je licencie tout le monde sur le plan économique et je fais un autre métier. Parce que, dit-il, les actes médicaux ne sont plus payés à leur juste valeur, du fait notamment des frais de fonctionnement entre personnel, matériel et assurance professionnelle. Les dépassements d'honoraires sont devenus une obligation. Et au niveau des interventions chirurgicales, c'est la même chose. Nous sommes obligés aujourd'hui de prendre des suppléments d'honoraires parce que nous ne pouvons pas faire face et maintenir une chirurgie de qualité avec toute la sécurité réclamée à juste titre par nos patients avec les tarifs qui sont aujourd'hui les tarifs de misère de l'assurance maladie. Une pratique légale mais qui commence à ennuyer car selon l'assurance maladie, en 2010, 41% des spécialistes ont réalisé ces dépassements d'honoraires. Conséquence, la hausse du prix de la consultation avec un dépassement moyen de 54% par rapport au prix fixé par la Sécu. Enfin, dernier constat, le Rhône fait partie des départements où cette pratique est la plus fréquente.